j'ai senti dans ces jeunes qui organisent le festival qu'ils sont vraiment des gens qui cherchent le meilleur pour la ville de Meknès. Je sens, et je le sens même ce soir, que je suis le bienvenu. Meknès est une association jeune qui est construite sur des bases solides. C'est vrai que les gens sont très jeunes, mais ils sont mûrs. Parmi Rouh Meknès, l'association qui fait du bien, qui honore les acteurs, les écrivains, les poètes. C'est extraordinaire et j'espère qu'elle continuera. J'aime cette ville aussi, voilà. C'est une raison pourquoi je suis ici aussi. Parce qu'il y a un attachement, si tu peux dire, si vous voulez dire, pardon, un attachement spirituel entre moi et l'association Rouh Meknès et la ville. Et ça va être, Inch'Allah, un jour, je ne sais pas, 90, l'édition 90, je ne sais pas quoi. Mais je crois qu'ils vont y arriver, Inch'Allah. Il y aura du latino par moment, il y aura un peu de l'Orient par moment, il y aura de l'Africain, Gnaoui. Bon, c'est à l'image de l'ensemble musical. Bon, vous le savez que notre ensemble, il y a un Camerounais, il y a un Sénégalais, il y a un Espagnol, il y a un Brésilien, il y a moi qui suis d'origine algérienne, un peu marocaine, et un peu slave, je crois, et un peu turc, et un peu, je sais pas. Que les gens de Meknès se débrouillent, je ne sais pas comment, mais pour aider ces jeunes, parce que leur travail est un travail énorme, et le futur est entre ces deux gens, Habibi et Zakaria Haddani. Si on n'aide pas ces gens aujourd'hui, on les perdra peut-être demain. Vous pouvez danser, hein. C'est pas interdit de danser. Allez. Je vous invite la prochaine fois, 3e édition du Festival International de Meknès des Arts et Cultures. Et merci.